avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets. Tout ce que j'ai créé, c'est vraiment pour cette viole-là. J'ai vécu 50 ans avec une femme dans une bulle, sans mondanité, sans rien. C'est bon pour vous ? Ouais, c'est bon. Ben c'est parti. Six grands plaisirs font la vie belle. Tant de plaisirs éclairent la nuit. Que ce soit moi, que ce soit lui, que ce soit nous ensemble unis. Pour lui, suis-je. Et c'est une inédite, je ne la connaissais pas. Donc je l'ai vraiment découverte grâce à Léopoldine. Donc elle représente la joie de chanter avec Léopoldine. Et la joie de rentrer dans le répertoire de Serge Resvani. Ça me bouleverse d'une telle joie. Du fleuve tranquille qui coule vers l'océan, ses archipels, ses îles, ses horizons changeants, il y avait deux amants. J'ai beaucoup écouté Jeanne Moreau chanter Resvani avec La mémoire qui flanche, avec Napoléon, La vie de cocagne. Bien sûr. Puis à vous, là, tout de suite. Voilà rentrer cette putain de voix. Tous les dimanches matins, en prenant mon bain, tant je ne vois pas. Serge Resvani, quand je l'ai connu, j'allais à la fac. Je découvrais la vie en liberté. J'ai beau me faire des grimaces, je me trouve encore bien. J'ai découvert. Soyons les citoyens d'un idéal humain. Chantons, chantons, et qu'un air impur n'abreuve plus nos poumons. Je viens de composer cette chanson, vous qui venez de naître. C'est une chanson écrite par un pessimiste, optimiste. Vous qui venez de naître à cette terre, vous à qui nous devons l'avenir, pour qui le souvenir est nécessaire comme exemple à ne pas reproduire. Je ne suis fils de personne, je ne suis d'aucun pays, je me réclame des hommes qui aiment la terre comme un fruit. C'est tellement toi. Je ne suis fils de personne, je ne suis d'aucun pays. Je ne suis fils de personne, en effet, ça me décrit, c'est ma carte d'identité. La première que j'ai eue en main, c'était du temps de Canetti. Vraiment inédite. Françoise m'a envoyé un enregistrement que Serge Resvani a fait avec son téléphone, où simplement il chantait vraiment a cappella. Il changeait de tonalité à l'intérieur de la chanson. C'est tout le talent de Resvani, c'est de nous montrer, à travers ses chansons philosophiques, qu'on peut voir la vie telle qu'elle est, en étant heureux d'être vivant. C'est ce regard bienveillant et lucide à la fois. C'est ce que j'aime chez Resvani. Caresse-moi, j'adore ça. Demain, tu t'en iras. Je ne te retiendrai pas. Caresse-moi.